Oh, ça a l'air d'être bouché là. Un truc de malade, hein. Ça, c'est à cause des travaux, ça. Oh. Un peu chelou, mais vas-y. Yes. Oh là là. Voici. Ouais, c'est acrobatique, non? Oh, pas du... Non, non, en vrai, ça va. C'est... Une fois qu'on sait en faire, c'est comme les vélos. Oh, il y en a bien 4, c'est bon. Hein? Priorité. Ah, priorité. J'ai pas compris. J'ai compris ce que tu m'as dit. Je sais pas si vous avez entendu, il m'a dit il y a des livres Uber Eats tous les jours avec des nouveaux engins. Oh, ils cassent les couilles avec leur escalier. Casse-toi. Hop. Voilà. D'accord. Vous pouvez pas attendre 2 minutes pour me déplacer, quoi. C'est... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Pas de soucis. Merci. Ah, pavé de mort. Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est un peu spécial parce que je sors d'une crève en fait. Donc ça se trouve que ma voix va être un petit peu particulière. Ouais, là j'avais la priorité, mais bon, comme les cyclistes, ils en ont absolument rien à foutre. Je préfère les laisser passer. Oui, donc je vous disais, je sors d'une méga crève là. Bon, ça a duré, 2 jours, hein. Heureusement que j'avais des vidéos d'avance. Mais genre là, ma voix, elle est totalement cassée, donc ça va faire un peu chelou. Enfin bon, pas grave, hein. On tourne même dans les conditions extrêmes. Peut-être pas conditions extrêmes, quand même. De toute façon, si j'étais vraiment mal, je serais pas sorti, hein. Alors, donc je me suis connecté de chez moi et j'ai sonné une commande à l'Impasto, qui est juste là. Quoique, en fait, j'aurais dû... Ouais. En fait, j'aurais dû me mettre là-bas. C'est un restaurant, c'est une pizzeria. Bonsoir. Attendez, j'ai du mal avec le tactile. Alors, c'est Samy, la commande. Merci. Hop. C'est bon, c'est validé. Merci. Bonne soirée, bon courage, toi aussi. Hop là. Check. On va à 2,5 km. Donc, ça va. Ça m'arrange, ça me rapproche du 5e. Nickel. Oh, ça a l'air d'être bouché, là. Un truc de malade, hein. Ça, c'est à cause des travaux, ça. Je suis là, je suis là. C'est chaud ici, hein. Voilà, t'as toutes les voitures qui serrent à droite, alors que t'as une piste de cyclable. Bon, ça passe, hein. Nous, on prend pas beaucoup de place en roue, mais c'est chiant quand même. Ah, là, c'est travaux time, hein. Donc, on aura une belle piste de cyclable, mais entre-temps, c'est galère, hein. Hop, alors là, je vais contourner, je vais passer par là. Tac, parce que genre, travaux plus camion poubelle, ça fait pas bon ménage. Enfin, j'aurais attendu beaucoup trop longtemps. Alors que là, normalement, en faisant le tour, il y a un moyen de raccourcir. Ah merde, c'est vrai qu'il y avait la déviation à gauche. Oh, ça va me... Oh là là. Oh, ça va me casser la tête ici. Pourquoi je suis passé par là? Erreur de débutant. Passer par la voie des voitures alors qu'il y a une déviation. Ah, je vais devoir monter en plus, nickel. Avenue des Gobelins. L'avenue des Gobelins, c'est ici. Maintenant, il faut chercher le 39. Hop. Merci. Bonsoir. Ça, c'est votre vélo, là? Oui. Mais oh, c'est bon, ça, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous allez monter, descendre? Oui. Oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Allez, je vous le surveille. Non, toujours mettez-le ici. Ah bah je peux mettre là si vous voulez, mais... Bah, je vais juste monter et descendre. Ouais. Allez-y. Y'a pas de problème, vous inquiétez pas, hein. C'est ce que je fais à chaque fois, donc... Ah, bonsoir. Et voici. Merci. Bon appétit et très bonne soirée. Rebonsoir. Bon, elle est sympa, là. La concierge, je sais pas comment ça s'appelle, la secrétaire. La concierge, plutôt. Qui me dit, faites gaffe à votre vélo, entre guillemets. Bon, on est à 5,5€. Donc, objectif 30€, hein, comme d'hab. Et puis, on sera bon, quoi. Ah, par contre, il fait beaucoup trop chaud. Là, je me suis trop habillé. Ah, bah, y a des déviations de partout, là. Oh. Un peu chelou, mais vas-y. Bon. On a une commande à arriver d'Archie, là. Un resto qui est tout le temps à la bourre, donc on va aller voir. Et si c'est pas prêt, bah... Je l'annulerai. Comme toujours, hein, j'ai envie de dire.
Bonsoir, j'ai la commande de Irène. C'est 2 minutes. 2 minutes ? Pas plus, hein ? Ça marche. 4 pizzas, ouais. Je peux comprendre. 2 minutes, on a dit, hein. Là, ça fait déjà 4 minutes. Il m'a bien confirmé que c'était bien 2 minutes et pas plus. Et je sais, ce restaurant est toujours en retard, c'est pas nouveau. Voilà, allez, merci. Bonne soirée, au revoir. Bon, est-ce que ça valait le coup d'attendre ? En vrai, bon, pas tellement, mais bon, c'est pas grave. En vrai, on est un peu en avance. J'ai déjà fait une commande avant 19h, donc ça va. Là, je suis quasiment garanti de faire les 30 en vrai. De toute façon, aujourd'hui, j'y vais de chill. Hein. Je ressors d'une maladie, là, donc on va pas y aller fort. On va y aller tout doux. Alors, normalement, c'est la porte qui est juste à gauche, là. Normalement, ouais, c'est le 2. Donc, c'est ça. Check. Et normalement, elle va descendre. Bonjour. Vous êtes Irène, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Pardon? En gyro. Ah, vous êtes là-dessus? Yes. Oh là là. Voici. C'est acrobatique, non? Oh, pas du... Non, non, en vrai, ça va. C'est... Une fois qu'on sait en faire, c'est comme les vélos. Oh, il y en a bien 4, c'est bon. Bah, bonne soirée et bon appétit. Au revoir. Vous avez entendu, elle a dit acrobatique. Acrobatique. C'est marrant comment les gens ont un aperçu sur la roue. Alors, c'est acrobatique. Bientôt, reconversion professionnelle, hein. Maison du dim sum. Toujours les trottes qui me gênent là. Salut, ça va? Bah toujours, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, tout à fait. Merci. Salut, merci. Hop là. Ah, compliqué de passer, hein. Bon, je suis moyen. Bon, c'est pas grave, hein, mais là, on va encore aller dans le centre de Paris, Châtelet, hein, tu coco. Hein? Ah, ah, priorité. J'ai pas compris. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Oh, l'écologie, machin, machin. Je sais pas ce qu'il disait après. Après, il a dit oh, avec mon scout, comment je pollue et tout. Genre en mode, tu sais, on se moque des églises, quoi. Et avant ça, il m'avait dit priorité, j'en sais rien. Bah, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit parce que je voyais pas dans quel contexte il disait ça en fait. Enfin, peut-être qu'il voulait dire en se moquant genre priorité aux cyclistes, enfin j'en sais rien en fait. Un peu chelou, hein. Alors, c'est dans cette rue. Hop là, 51 rue du Temple. Je sais pas si vous avez entendu. Il m'a dit il y a des livreurs Uber Eats tous les jours avec des nouveaux engins. C'est original. Alors là aussi il y a un code. Nouveau message de Hachi. Code 8000. Bonsoir, voici. Bon appétit, bonne soirée. Ah, bouton porte d'or. Alors maintenant, on va dans un resto qui me semble avoir déjà fait. Je sais plus exactement où il est. Non. Il est par là-bas. Bonsoir. Alors, je vous donne ça, c'est Eric. Yes. Ça va, ça va. Ça va, là, je trouve que ça bosse un peu mieux par rapport à avant. Ah ouais? Non, j'étais... Ah, là, je ressors d'une maladie en plus. Là, je reprends, là. Yes, c'est pour moi, Eric. Tac. Je te remercie. Ça passe, ça passe. Bon courage, bonne soirée. 14 rue des Lombards. Là, c'est marrant parce que les gens me reconnaissent d'un coup d'œil. Hein. Il était Lilian ? Bah oui, c'est moi. Travaux pour la nouvelle piste cyclable à droite, là. Incroyable. Oh, ils cassent les couilles avec leur escalier. Casse-toi. Hop. Voilà. Hop là. Maintenant, l'interphone. Bonsoir. Voici. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Livraison, c'est ok. Attends, on est déjà à 16 euros. Incroyable. 16 euros et il est 19h54. C'est quali. Tout juste la place, hein, de passer. Allez, on est parti. Cinquième. Enfin, direction cinquième.
Burger King, je refuse. Ah, il y a moyen de se donner carrément d'un resto meilleur que ça, quoi. J'ai pas de commande. Ah, ok. Lyon, poussier, ça va ? Ah, ça va et toi ? Ah, tu adores ? Ça va. Ça bosse un peu le beurre en ce moment ? Ça va. C'est un peu calme. Normal. Ça se passe tout le temps, toi, en plus. Non. Et c'est moi qui t'avais envoyé un commentaire sur la vidéo pour te dire de reprendre le service du matin. Ah ouais ? Si tu te rappelles, ouais, c'était moi. On ne sait pas si t'as la faute. Ouais. Pas sûr, hein. Là, t'es en vidéo, hein ? Ouais, là, je suis en vidéo. Coucou. Abonnez-vous tous, c'est important. Ouais. Allez, bon, très important, merci toi aussi. Une double commande d'Amor et Gusto, Cécile et Pauline. Olivier, bon, on courage. Ouais, toi aussi. Ça, tu vas te dire, pense à inviter Rinac TV dans tes vidéos. Ah, mais tu sais que c'est prévu, hein. Faut que t'invites Ryan, c'est important. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, bah, j'essaierai de faire ça, alors. Ah, Ouais. Merci toi aussi. On sent qu'il y a du monde, hein, le vendredi soir. Allez, c'est parti pour livrer Cécile. Alors, vous avez entendu, hein, la suggestion de notre abonné. Inviter Rinac TV. Faut que j'en parle, tiens. Parce qu'à un moment, on voulait faire un truc ensemble. Mais bon, au final, ça ne s'est pas fait. Oui, je descends. Merci, à tout de suite. Merci. Bonsoir. Vous êtes Cécile, ça ? Oui, pas de problème. Hop, Cécile. Voici, bon appétit, bonne soirée. Cécile, elle a sursauté. Je pensais pas que j'étais aussi impressionnant. D'ailleurs, maintenant, je fais un truc pour éviter qu'il y ait des coupures comme ça dans les vidéos. Genre là, j'ai été malade, allez, 2 jours. Donc 2 jours, j'ai pas pu taf. Mais vous avez quand même eu des vidéos tous les 2 jours, parce que j'en ai d'avance. Comme ça, même les jours où je ne filme pas, ou que je taf pas carrément, bah vous avez quand même des vidéos. Ah, 54 rue Pascal. Hôpital Broca. Ah ! Donc c'est... bah juste à gauche normalement. Devant l'hôpital, bah... je suis devant. Hein. Bonsoir, vous êtes Pauline, c'est ça ? Et voici. Merci. Bon appétit, très bonne soirée. Merci. Planète Sushi. Bon, allez, hein. De toute façon, en vrai, là, je réfléchis pas trop, je prends ce qu'il y a. Et on va voir là où ça nous mène. Putain, j'ai vraiment pas hâte de m'entendre en vidéo. Ma voix, elle va être flinguée. Déjà que de base, j'aime pas me réécouter quand je fais le montage. Alors là, ça va être encore pire. Bonjour. Ok. Merci, bonne soirée. Attends, j'ai vérifié que j'ai bien pris la bonne, quand même. Yanis, ok, c'est bon. Bon. 2,7 km. Putain, j'aime bien ça enchaîne là, c'est cool. J'aime bien quand ça enchaîne comme ça. Après on est vendredi soir, hein, mais c'est cool. Allez. Allez, taxi à chaque fois, ils me font rater les feux. Ils vont tellement lentement parce qu'ils regardent leur téléphone, leur GPS, enfin je sais pas, mais c'est chiant quoi. D'accord. Vous pouvez pas attendre 2 minutes pour me déplacer quoi, c'est un concept, hein. Mais j'ai pas la force de gueuler là, clairement pas. Pardon, excusez-moi. Pas de soucis, merci. Eh ouais, elle me fait un barrage. Alors oui, du coup, je vais peut-être pas parler beaucoup dans cette vidéo. Hein. C'est un fait. Ah merde. En fait, je peux pas passer par là, je crois. Oh, je vais passer par le trottoir, hein. Je vais y aller tout doucement. Ou alors, je fais le tour. Ouais, je vais faire le tour, parce que ça va être plus rapide. En vrai. Hop. Et là, on va aller à gauche, ici, au lieu de là-bas. Ouais, au final, ça change pas grand-chose. Hein. Voilà, et au moins, là, on n'a aucune difficulté pour passer. Je sais pas ce qu'il y avait dans l'autre rue, c'était un déménagement, je crois. En fait, ça doit être... ouais, c'est dans la rue... ah, mais il est chelou, le GPS. En fait, le point de l'adresse est là, alors que bah, la véritable rue est là, quoi. Bon, ça ? Vous êtes... yes, c'est ça. Désolé, j'étais là-bas, mais le GPS me disait là-bas. Hop là. Tchac. Voici. Hop, pardon. Bonne soirée, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, on va livrer Pepe Chicken by Fast Good Cuisine. On va aller voir. Mais ce genre de resto, vous savez, c'est souvent des dark kitchens. Et malheureusement, les dark kitchens ont une mauvaise réputation, genre en mode, ils sont tout le temps à la bourre. Enfin, on va quand même aller voir, on va pas être de mauvaise langue. Attends, j'en ai une deuxième en plus.
c'est quoi, je vais prendre les deux, parce qu'on sait jamais, si je vais là-bas et qu'il y en a une qui est prête et pas l'autre, bah je pourrais l'annuler en fait. Alors je pourrais annuler une des deux. Donc je vais faire ça. Ah, pavé de mort. Ah, oh putain. Ah, c'est vraiment un coup à te niquer les roues, hein. Enfin la roue. Mais même en vélo, t'es pas bien, hein. Pépé Chicken by Fast Good Cuisine. Salut, ça va ? Ça va. C'est ici le Pépé Chicken Fast Good machin là ? Ah, c'est de l'autre côté ? Ok. Bonsoir. Bah, je vous montre quand même les numéros. Les deux sont prêtes ? Excuse-moi, Laurine, c'est prêt ? Laurine ? Ouais. C'est ça ? 640 CD, ouais. 140 ? 640. 64 0 CD, si vous voulez. Merci. Bonne soirée, au revoir. Ok, donc Hugo, on va l'annuler. Attente excessive. Et on va prendre Laurine. Bon. Ouais, bon courage, salut. Ouais, désolé, ça m'a un peu énervé là. Le mec, y a aucun sens de la relation avec les coursiers quoi. Genre, bref, je vais pas commenter plus. Vous l'avez très bien vu dans la vidéo. Le mec, il fait style de. Il me dit c'est prêt, mais au final, il me fait quand même attendre quoi. En plus, il me fait répéter les numéros en mode ouais, t'es sûr que c'est ça ? En fait, j'ai juste pas du tout aimé sa façon de parler quoi. Alors, il y en a qui vont me dire ouais, mais il avait rien fait, enfin, genre, il t'a parlé normalement et tout. Non, il y a une façon de s'exprimer. Le mec, on dirait qu'il en a rien à foutre. Et voilà quoi, en fait. Bon, j'en avais deux, j'en ai pris qu'une du coup, parce que vu comment ils attendaient, ça. Ma commande, elle allait jamais sortir. Ah ouais ? Ouais, ok. Je m'attendais pas à ce que vous arriviez comme ça. Hop là, voici, merci. Bon appétit, très bonne soirée. Oh, un pourboire, de 3,34€, 44, nickel. Bonsoir. Ouais, ça a quel prénom ? Laurine. Ah non, c'est pas moi. Il est arrivé là, sur le... Parce que... Ah ouais, c'est peut-être lui. Bonne soirée. C'est pas Yann ? Ah non. Non, non. Moi, c'est Lilian. Bonne soirée. Et non, ce n'est pas moi. Putain, du coup, j'ai refusé plusieurs courses. Là, il m'a déconnecté. On est à 35€ quand même. Hein. Ce soir, ça déconne pas. Hein. Lux Kebab. Ok. En fait, Lux Kebab, il est... Ouais. Il est derrière moi. En fait, il est. En fait, je l'ai passé. Commande de Nicolas Z. J'ai celle-là. Nicolas. Allez, c'est parti. C'est possible que ça soit ma dernière commande. Hein, parce qu'en fait, elle me ramène pas très loin de chez moi. Enfin, pas très loin. Si, si, en vrai, c'est pas loin, pas très loin. Possible que ce soit la dernière. Ah, c'est beau. De nuit comme ça, j'adore. Très très stylé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris ce pont de nuit. J'aime beaucoup. Alors, c'est au 106. Donc normalement, le 106 est là-bas. Ok, messagerie. Ah, il va descendre. Nickel. Ah, une autre course. Ah, bonsoir. Hop, voici. Hop, je vous donne ça avec. Voilà. Bon appétit, bonne soirée. Non, celle-là, elle est pas intéressante. Ah, quoique. Si, allez, ça va être notre dernière, on va prendre celle-là. Bon, ça m'emmerde un peu, par contre, parce que... Faut que je passe là. J'ai la commande de Assia, s'il vous plaît. Ah, bah, je vais l'annuler alors. C'est pas grave, bonne soirée. Hop, on va descendre les escaliers, parce que je vais pas faire refaire le tour. Tac. Ouais, non, pour le coup, là, il y avait beaucoup trop de retard.
genre 5 minutes j'aurais peut-être accepté, mais là il me dit 10 minutes quoi. Enfin entre 9 et 10 minutes. C'est beaucoup trop. Bon, en vrai, si on ressonne pas, dans l'immédiat, je veux dire, enfin hein, dans les allez, 5 minutes, je vais rentrer. Enfin là, je vais me diriger vers chez moi. Et puis je pense qu'on aura déjà fait une bonne soirée. Hein. On a 42 euros, en vrai, ça va. Hein. C'est correct. Alors je m'excuse encore une fois de ma voix dégueulasse, mais malheureusement, quand t'es malade, c'est comme ça. Hein. Bon là, je suis plus vraiment malade, en gros, c'est la fin, quoi. Mais voilà, quoi. J'ai encore la voix qui est un peu cassée, donc veuillez m'excuser. Donc là, direction la casa. Et si je sonne dans le trajet, bah, je vous reprendrai. Du coup, là, ça fait 42 euros en 2h40. Ce qui est carrément OK. Hein. Franchement, je suis pas peu fier. Tiens, en vrai, je passais par un endroit, je sais pas si c'est ouvert à cette heure-là. Mais j'aimerais bien vous montrer, parce que c'est assez stylé, en fait. Ah non, c'est fermé, hein, dommage. Dommage, dommage. En fait, c'est un endroit qui est plutôt stylé. Parce que ça passe dans un souterrain... dans des tunnels et tout, c'est assez stylé, c'est juste en bas là. J'aurais bien aimé vous montrer, mais je peux pas. Alors sur cette avenue, il y a un radar. Donc aujourd'hui, soit je fais mon casse-cou et je l'active, soit je reste chill. Et voilà. Mais comme je suis un casse-cou, on va aller à fond. Vous allez voir un petit flash. Hop, le radar est là. Ah ouais, j'ai même pas été flashé, tiens. What the fuck? Parce que avant, tu pouvais te faire flasher. Alors, on a une crêperie qui est juste là. Est-ce que je la prends? Ça va être notre dernière. Bonsoir. Je recommande de Johan, s'il vous plaît. bien droit, ok. Droite comme ça? Ça marche. Bonne soirée. Au revoir, mon courage. Ok, on va bien la garder droite, du coup, comme il l'a dit. Elles sont super bonnes aussi, hein, par contre. Wow. Bon, elle est pas loin. 1 km, 1,5 km plutôt. En vrai, ça serait cool qu'on refasse les 50. Mais bon. Là, après celle-là, je vais arrêter, en vrai. Hein. Parce que je suis un peu KO. Allô? Bonsoir, c'est votre conseiller Uber Eats. Je suis arrivé en bas de chez vous. D'accord, à tout de suite, merci. Je suis au 21, ah oui, il traverse l'hôpital. Donc c'est bien ce que je pensais, il était dans l'hôpital. J'aurais dû me mettre en face plutôt. Merde, c'est pas grave. Bah, je suis à la bonne adresse en ce moment. 21, c'est là. Je suis devant le 21. Je suis au niveau du numéro 21, virgule, l'adresse que vous m'avez indiquée. Hop, je vais quand même envoyer ça. Bonsoir, vous êtes Johan, c'est ça? Ça marche. Bon, non, fallait prendre votre temps, vraiment. Hop, fallait pas vous presser. Bon, attendez, je vais plus prendre par là. Hop là, voici. Alors, on m'a dit de bien tenir droit, donc tenez droit comme ça, voilà. Bon appétit, bonne soirée. Hop, petit pouce bleu, et livraison terminée. Bon, 42 euros, on avait 10 courses quand même, hein. Wow, pas mal, hein. 10 courses en 3 heures à peu près. Enfin, 2 heures, ouais, 3 heures, c'est ça. Juste voir à combien je suis. Et après, je vais me déconnecter. Oh, on va s'asseoir un petit peu. 46 euros. Ah bah, c'est OK. C'est correct, hein, franchement. C'est très correct, même. Donc, on va pouvoir rentrer. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un pouce bleu, de la commenter, de la partager et de vous abonner si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos. Oh, il y a un chat à la fenêtre. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!